C'est YouTube. C'est la suite d'Evil West. Chapitre 5, 6, je sais plus. On y est quoi. Pour initialiser les points. Alors comment on joue déjà? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, et on court là. Ok, c'est bon. Tout est dans les poches. Putain, le personnage va trop vite. J'ai l'habitude de me traîner le cul depuis Callisto Protocol. Oh là, le personnage va trop vite. J'ai la gerbe, ça y est, j'ai la gerbe. Bizarre. Bizarre les trucs de journaux. Donc fallait sauver les tics. Quoi ça? Tout ce que je ramène à chaque fois? That's tremendous. We all need those upgrades. Of course, yours is the most important, but with enough coils. It'll take some time, but yeah, I think Virgil might be able to build a few. Wild Wild West versus Resident Evil. I can't wait to see what that thing can do. J'avoue, je sais pas où tu veux en venir. There's an issue. I don't like this at all. The Rentiers might be the founders of the institute, but Dr. Blackwell's the one in charge here. She asked. Je sais pas où tu veux en venir, mais ouais. En tout cas, deux jeux où on tabasse des trucs qui sont pas très humains. Peut-être pas compris la blague après, mais ça c'est parce que... J'ai pas d'humour. On faut rusher la tique là. Go la tique. Putain, mais faut toujours fouiller à la recherche d'argent et de trucs. Too many female doctors, but... Oh, le diplôme. Le diplôme de la meuf. Tuer toutes les créatures. Ok. Elles sont où? Elles sont là. C'est des vrais tics. Passer en mode suralimenté. L3 plus R3. Ok. Ah, c'est fort. Ok. Et du coup ça vide mes batteries. Ok, c'est fort. J'aime l'idée. Moi il y a plus de tic. Dans l'univers des deux quoi, les trucs western un peu steampunk et l'autre des vampires et des créatures cheloues, c'est vrai. Il y avait pas un peu des trucs chelous, ouais, dans le film Wild Wild West il y avait des trucs chelous mais pas dans la série en vrai. Le gameplay c'est un Devil May Cry et God of War. En vrai, niveau gameplay c'est vraiment ni entre l'un ni l'autre quoi. Enfin si, ça pourrait se rapprocher à la limite un peu du dernier God of War mais... Ouais, ouais. Devil May Cry, c'est un peu loin quand même. This just came in. It's from Agent Gravener. Good. Mais tu as raison pour les comparaisons. Private. Oh. Oh. Tu es juste débilos. Speaking of bad, I found a giant ancient cadaver in Baxter. Any idea why Tix would want to hide it? A few. Why isn't Agent Bloom allowing anyone in to see your father? Security, Doc. Calico's the last working cell in the country, and we mean to keep it that way. That means closing a few doors. Well. So be it. Idéalement, ça ressemble un peu en tout cas, mais honnêtement, c'est peut-être pas la même. C'est un peu plus nerveux. C'est pas tout à fait pareil quand même. Mais visuellement, ouais, ils sont très inspirés. Hein. Même le niveau de point de vue de la caméra et tout, ça fait très God of War. On retourne parler dans son labo. C'est parti. Dans le labo, là. Oh, there you are. Well, let's skip to the things we're here for, shall we? Passons à la mission suivante. The creature you found in the Devil's Pass is essentially an oversized leech, a bloodsucker of sorts. Its stomach acids prevent blood from coagulation. So it's like a living container? Precisely. Moreover, according to microscopic analysis, the blood within the leech is remarkably old. It's not only that, it isn't like anything we've ever seen.
And Felicity feeds it to her familiars. Gotta learn more about that sawmill and how it's all connected. On va à la Syrie? De la poudre aux yeux. The McCallum sawmill was founded in 1845 by Elijah McCallum, definition of a small town family operation. After Elijah's death 2 years ago, the mill was bought out by an investor representing the Andalusia Financial Services Group. Conglomerate of banks, oil fields, railways, you name it. What does a big fish like that want with a shitty little sawmill on the ass end of nowhere? It's unclear. Purchase itself was entirely above board. What about the forest? Old native ritual sites, burial mounds, anything? Nothing of note, no. Well, I guess I'll just have to figure this out on my own then. Thanks for your time, Dr. Blackwell. I live to serve, sir. I'll get back to my research now. Let's go. Ils causent pas fort ces gens-là. Le son du jeu est un peu bas. Enfin, en tout cas, au niveau des dialogues. J'espère que vous arrivez à entendre un minimum quand même. Vous me direz, sinon je monterai. Je peux monter le son, sinon, mais ça montera pas le son des dialogues, quoi. Alors, dans les options. Je pense que c'est... Les problèmes de masterisation du son. Bah écoutez, y a pas. Problème réglé. Oh, mon son qui était pas fort aussi. Ok. Écoute, ta voix fait fort en comparaison. Ouais, ma voix est plus forte que le jeu, oui, c'est sûr. Le son du jeu est un peu bas. La masterisation du jeu est un peu bas. Je suis d'accord, hein, sinon. Ah, c'est cool, on a un peu de forêt là. Zapper's acting up. The glamour must be near. Je veux la casse, moi. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit au bonheur. Holy shit. Chester did say something about the source of the glamour. Brise illusion, ok. Ouais, niveau... En fait, c'est pour ça. J'ose pas trop monter le son, parce que quand on se tabasse, le son est fort. Et c'est bien fait. Mais ouais, le dialogue, le niveau des voix est bas, quoi. Je sais pas pourquoi. Enfin, il est plus bas que le reste. C'est joli, sa mère, ça. More disgusting than I even imagined. The glamour's probably secured by more of these ugly tumors. Need to take them out to destroy the illusion. Détruire l'illusion. Let's go. Non, mais détruire l'illusion, faut suivre le truc. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que c'est tout droit, donc ça me va. Viendez, les amis. C'est des nouveaux. Ils explosent. Comment on esquive, putain, comme ça? Je sais plus jouer au jeu, donc c'est un problème. Ok. Ok, je sais plus jouer au jeu, dommage. C'est rien pour taper. Ok, il m'a tapé. Couloir de droite, couloir de gauche, je vais faire les deux pour aller au couloir du milieu. C'est compliqué. Putain, j'avoue, maintenant que tu le dis, il y a plus de choix que ce que je pensais. Jeu de fou. Attendez, faut que je me réhabitue au gameplay là, parce que je suis trop habitué à Callisto Protocol. Oh.
Ok. C'est bon, j'ai retrouvé comment on joue. Stylé. It's getting weaker now. Probably there's one or maybe two sources more. J'ai failli tomber. C'est comme The Devil in Me. OMG, je suis bloqué. Je suis bloqué, j'ai sauté dans le truc. Et ça, c'est fort. J'ai pas visé. Dommage. Oh, le coffre. La Evil Thune. Attendez, faut qu'on regarde au niveau des... Atouts, c'est bon, amélioration. 3000 de thunes, j'ai... Je peux améliorer des choses avec 3000 de thunes? Est-ce que j'ai envie d'améliorer des choses avec 3000 de thunes? Pas vraiment. Ça, j'aime bien, c'est tout droit là. C'est un jeu qui va tout droit, ça fait du bien des fois. Hein. Argent. Look at yourselves, my children. You were sick, weak. Être faible et sans le sou de pauvres paysans vivant pour survivre, attaché à la douleur et une vie futile. Votre unique ambition était de transmettre cette souffrance à vos enfants. Maintenant que vous avez accepté mon présent, laissez vos peurs et vos tournants derrière vous. J'ai donné un sens à votre sang. Le sang compte plus que tout. Oh, les problèmes. Ça a ouvert la voie, c'est bien ça. Non mais la suite est par là. Et nous on veut aller là. Il va y avoir des trucs là. Genre un coffre. Petit coffre là, 339$. Ça ralasse. Alors c'est pas comme Callisto Protocol qui donne ses crédits deux par deux. J'ai assez d'argent pour acheter une amélioration. Ouais je sais mais je m'en bats les couilles.
suis en train de game. Pas le temps. Un brûleur. Ok, l'une des armes les moins sophistiquées de l'Institut, capable d'arroser les ennemis de flammes. Son câblage particulier lui permet d'utiliser l'énergie du gantelet pour remplir lentement son réservoir avec le temps. Pied 1 pour vous en équiper et sur R2 pour l'utiliser. Ok, brûleur. C'est sympa ça, j'aime bien. C'est vrai que j'ai un éclopeur avec triangle aussi. Ah mais oui, ok, d'accord, c'est en bas à droite. Mes armes secondaires, ok, c'est bon. Je cherchais dans l'HUD où c'est que ça me mettait les armes secondaires. Mais... Et du coup, il se recharge comment? S'il se recharge. Pas trop, hein. Je suis pas sûr de mon affaire. There you are. Au vu. Reste un, non? I guess that was the last source. Ah non, c'était la dernière. Let's see what you're hiding there. Pas les gongs, hein. Jeez, that damn smell doesn't bode well. Let's take a look, see. C'est quoi ça? J'ai récupéré un truc, mais personne ne sait ce que c'est. C'est quoi le tuto brûleur? L'énergie du gantelet pour remplir lentement son réservoir avec le temps. Ça remplit pas du tout. Hein. Pour le moment, le jeu est mort. Hein. Ok, il y a un Michel. C'est les ennemis de base. Soyez plus grands. Oh, trop bien ça! Mais what the fuck? Pourquoi il veut pas? J'ai un peu de mal. Parfait. Vers eux. OMG, je suis à chier. J'essaie d'appliquer le tuto du jeu. C'est le problème.
suis mort. Je suis mort en tuant le boss. Oh, la nullité de ma vie. Imagine, le mec fait le plus dur et en fait, ça ne marche pas. Ah, c'était une armure tout à l'heure que j'ai récupérée. Je suis quand même en train de gérer là. Elle était un peu loin. Je voulais pas passer au-delà de midlife, le bâtard. Ok, il y a les ennemis qui arrivent, let's go. J'ai eu peur de pas toucher. Je me suis pas fait toucher. J'ai été trop bon au jeu là. C'est à gauche ou à droite, mais c'est tout droit. La vérité, c'est que c'est tout droit. Coffre ? Oh, gros coffre. Chapeau fantôme. Attendez, je vais mettre mon chapeau fantôme. Je me mets en full fantôme, là. Je suis en full blanc. Au coffre là, j'ai vu le coffre. Faut que j'aille à droite. Au coffre. Faut aller à droite pour le coffre. Faut aller à droite là. J'aille là-bas. Tout droit sauf pour le loot et c'est toujours bien le loot. Toujours bien! Faire tout brûle. Et par là le loot. Et là-bas. Oh la loot. Hell, these things are alive and pumping blood. Got a bad feeling about its source. On peut passer quand ça crame un petit peu. Descends. What the fuck? Putain, je roule dedans. Thank you.
Tout va bien. C'est bien de taper dans des trucs là. J'aime bien taper dans des trucs. Taper. More leeches. Guess I'm on the right track. J'ai rien suivi de ce qu'on fout là par contre, au niveau pure lore. Les grosses censures. Holy cow, you're disgusting. Who fattened you up? Je suis là pour taper des trucs, ouais, déjà, ça c'est sûr. Je crois que je suis là pour faire un peu d'autres trucs aussi, mais... Je trouve pas. Oh. Ça leur fait pas de dégâts, j'ai l'impression, quand ils explosent. Dommage. Je trouve ça fou que From Software ait imposé que le fait de taper maintenant dans les jeux d'action, ce soit les gâchettes et puis les boutons. Allô ? Looter et taper. On est sur la bonne voie. Je peux remonter ? Oh dommage. Je suis passé à côté du loot là-bas. Sensu partout. Partout les sensus. Coffre là-haut, vu. On a un nouveau point d'atout, on va le diffuser. Frappe sismique. Oh la triple frappe sismique là. Ça c'est quoi ? Ça c'est fort aussi. Ça c'est quoi ? Prérequis. Suralimentage. Mais je l'ai en fait. J'avais pas débloqué un autre truc pour là ? Bon, quoi qu'il en soit, l'esquive. L'esquive des patates ! Hello Sun Crow ! C'est balade en forêt ce vendredi soir. En mettant des gros pains à des vampires. Voilà, c'est le programme que je propose. N'hésitez pas, sinon il y a le plus grand cabaret du monde sur France 2. Ok, on est là.
On pourrait monter là-haut, il y a un coffre. Les combos d'atouts qui sont bien OP, bah tu m'étonnes. Là pour le moment j'ai, enfin ça va, je m'en sors bien, hein. J'ai l'impression que je fais du dégât, tranquille. Je fais un peu toujours la même chose mais tout passe. C'est marrant parce que là c'est une mini zone ouverte. Bien diminué. Hein. La meuf à Mickey, tout ça. Ok, je pense que j'ai assez d'argent. Pas très fan du brûleur en tant qu'arme. Oh, Felicity, elle glousse. Arrête de glousser. La gloussonne. Oh. Another ancient beast. Fucking great. Oh la grosse bébête. Heureusement qu'elle est morte. Don't look to be long dead. T'as la belle bête là. A trip into its guts. Great. Allô? J'ai un peu mal. Merde, faut parer. On peut survivre à peu près tout avec les combos de base quand même. C'est pas mal. Pourquoi j'ai perdu de la vie? Parce qu'il y a un mec qui m'a explosé la gueule. Argent. Oh! C'est un boss? Ça a l'air d'être un boss. Bonsoir! Pour le parasiteur. Ok. Ok, pas de soucis.
Je pense que je suis assez chaud au jeu en vrai. Putain, je suis chaud, hein. C'est un peu dur. Faut se repérer. J'ai un peu d'vampires, parce que j'ai eu très peu de vampires. Ouais, non mais... Au début, on avait des vampires. Maintenant, on a plus... je sais pas trop quoi. Ok, pas mal en vrai. Putain, il se fait plusieurs fois. Ok, un de moins. OMG, je me fais cracher dessus. Faut arrêter, monsieur. Aïe. Bâtard. Ok, il a moins de vie. J'y vais. Oui, non mais oui. Ah ok, on voit au sol en fait. C'est-à-dire qu'on voit au sol, mais quand même, faut se lever tôt quoi. Ouais, oh. Calmos les amis quand même. Au secours. Moi je serais assez chaud de dire calmos les amis. Aïe. Focus à droite. Voilà. Ils ont toutes le même cycle en vrai. Ok, ça dégage. Je me refais chuter. Dernière phase. Oh putain, j'avais oublié ça. Pas du tout relou le boss en vrai.
trop bien, ça donne de la vie en vrai. Toi, ça donne pas de la vie, ça, par contre. La vie, OMG. Je suis un peu loin de Jean-Michel. OMG, coup dur. Je suis très loin de Jean-Michel. Un peu dur. Pourquoi je l'ai pas tué? C'est bien. Okay. Je suis bloqué. J'ai obligé de mourir là-dedans. Ok. Presque first try. This is where those beasts get their magical blood from. Once that ancient fella in Baxter was sucked dry, she found you, huh? Christ, I'm starting to hate mythology. Cramax le vampire. Ta-da-da. On a cramé la grosse sangsue. Vous avez pas d'argent là? Les coffres, petit argent. Une dizaine est très bien ce que tu faisais, RL. Ah ouais? Qu'est-ce que je faisais, IRL? J'adore juste le sound design. J'ai récupéré de l'argent un peu? Peut-être un petit peu. Ouvrez la porte du labo! Envie de rentrer dans le tonneau, le. Il bouche à bouteille, le perso a ouvert sa fiole. Ah ouais? Putain, j'ai eu le meilleur timing. Allez, je vais aller voir le docteur Blackwell, t'inquiète. Mais avant, je récupère les loots. J'ai de l'argent. 7000. Pas abusé, hein. Sur les montres, les gantelets,
améliore considérablement les dégâts de mêlée du prochain coup de poing. En faisant ça ? C'est fort, ça. Coup de grâce du foudroyeur engendre un pic d'électricité qui va perdre une dose d'énergie. Ok. D'importants dégâts, ouais, ouais. C'est quoi ? Dégâts de fusil augmentent de 20%. 5000. Bon, ça, je le fais souvent, il fait une le fois. Oh. À moi, ça. Fin de l'année 73 marque la fondation d'un énorme avant-poste de l'Institut de la ville Calico. Ok. C'est un peu chiant de devoir refouiller tout l'avant-poste pour de la thune et tout à chaque fois. C'est long, quoi. Donc, je dois avoir 5000 de thunes, là, du coup. J'ai 4997. Au secours. Un petit sac d'argent, là ? Qui traîne ? Petit sac d'argent, là, en vrai, non ? Un petit sac d'argent ? Là-haut, petit sac d'argent, en vrai. Ça, les gars ? Oh. Mia F. Blackwell, née en 61, obtenant un doctorat, blablabla, son diplôme de médecine, ses expertises en botanique lui ont permis d'obtenir un poste au manoir où elle a rapidement intégré une équipe travaillant sur les propriétés médicinales de certaines plantes. Alors, qui là ? Elle a bougé à Calico. Parce qu'elle travaille mieux de manière autonome, ok. Bah, bravo à elle. Anybody ever heard of a colossal monster with a forest growing on its back? Cause I got some samples. Mine. That's a Mykonak. In Huron folklore, it's some kind of minor deity. It was covered head to toe in those damn leeches. That means we found yet another blood factory set up by Debono and Felicity. That would explain why they attacked Baxter. They were protecting their source, the ancient blood they used to transform their familiars. Bad news is this Mykonak thing was supplying their war for quite some time now, allowing those foul bloods to spread all over the country. The good news is, they won't do it anymore. Help! Dr. Blackwell, somebody! Est-ce qu'il leur arrive encore? Évaluer l'état de William Rentier. Ah oui, mon papa, il se transforme en vampire, là. C'est un problème, ça. Papounet ? Papounet ? Mr. Jesse ! Help ! Pas de l'argent, là ? Allez, j'arrive, papa. C'est par là. J'ai entendu des shouts, sir. What's going on in there? Stand down, Davis. J'ai planté papa. Step aside. Even if he doesn't kill us in our sleep, that link in his head will lead the ticks right to us. Then let them come. Killing ticks is what the Rentier Institute does. You listen to yourself? This isn't about your birthright. This is what happens when we run a government agency like a goddamn monarchy. All our protocols go out the window as soon as Daddy Dearest. Keep talking to me about the rules, you bureaucratic shrew. Please, we're all on the same team, remember? Only when it suits him. How about finally telling me where Edgar went? He's in Maurepas, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing. Que des gens intéressants sur ce stream énorme. Bastien, ça n'arrête pas.
Listen, Mr. Gravener's an experienced. Un jour, un jeu fini. If he didn't have faith in his mission, he wouldn't bother. We are at war, Doctor. Who else is worth saving if not the leader of the Institute? And in the long run, it could help everybody if the thing by some miracle. Le casque est en train de faire fusionner mon crâne et mes lunettes. You have until tomorrow morning. In the meantime, your father will be restrained and placed under round-the-clock supervision. Fine. I'm gonna get Edgar's ass out of those swamps. And if I get back with that plant and I still see that shotgun in your hand, you better damn well prove you know how to use it. On va dans les marais, les poteaux. Ça vous dit d'aller dans les marais, on va voir Shrek. Pharmacon. You picked a strange time to assert yourself, Virgil. Why'd you back Jesse's quest for this ridiculous compound? Just because the scientists at the manor didn't find anything doesn't mean there isn't something there. I mean, did they ever let you take a look? No. We have a habit at Calico of making the impossible happen, Doctor. I fixed Mr. Jesse's gauntlet, made it better even. Scott found the best lead we have with those leeches. If anyone can make that compound work, it's you. Let's go! Des bisous YouTube. La suite dans la prochaine vidéo.